Ce magazine vous est offert par Arrêt Coiffure à Moissac, Le Moulin de Joinerie, votre espace bien-être à Brassac, MyWave Prod pour photos et vidéos, BPA pour vos fermetures et menuiseries. Bonjour et bienvenue sur Diapositive TV. Aujourd'hui, nous sommes à Beaumont-Blomagne, la capitale de l'ail blanc. Nous sommes ici en Tarn-et-Garonne, mais à quelques kilomètres du Gers. J'avais envie de vous montrer cette ville aujourd'hui d'un point de vue un petit peu différent, du point de vue mathématique et surtout géométrique. Alors vous allez me dire pourquoi la géométrie? Eh bien parce qu'ici, Pierre Fermat est né, c'est un célèbre mathématicien du XVIIe siècle. Et on verra aussi le centre Fermat, Fermat Sciences. Véronique nous en parlera un peu plus tout à l'heure. On verra bien entendu comment ça se traduit dans l'architecture, puisque ici, à Beaumont-Blomagne, tout est géométrie. Le clocher de l'église, la halle, son sol également, mais aussi le plan de ville hein, et plein d'autres choses encore. Parlons de Pierre Fermat. Ce mathématicien célèbre, qui était passionné, hein, puisque son vrai métier était magistrat. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il a été reconnu de son vivant. Hein, il a travaillé sur la géométrie analytique, sur le calcul différentiel. Il a aussi été précurseur dans le calcul des probabilités. Il a côtoyé les savants, j'allais dire, de son époque, pas forcément physiquement, mais à travers des correspondances. On sait que Pierre Fermat n'allait pas très souvent à Paris. Il était souvent entre Toulouse, Castres et Beaumont-de-Lomagne. Ça n'empêche qu'un moine, marin, mais reine, transmettait pour lui ses lettres jusqu'à Paris. Et en retour, il ramenait les publications et les réponses de ses confrères. Donc il a pu être en contact régulièrement par les lettres, avec ses confrères et savants de l'époque. Rappelons aussi que Pierre Fermat était fils de marchand et même petit-fils de marchand, puisque son père Dominique et son grand-père Antoine s'étaient considérablement enrichis. Ce sont des marchands négociants et ils vont augmenter leur capital immobilier en achetant des maisons sur Beaumont-Lomagne, mais aussi les métairies proches de Beaumont. On a donc l'habitude de calculer chez les Fermat. Et d'ailleurs, les calculs étaient complètement différents par rapport à aujourd'hui, puisque si on prend les quantités, par exemple un boisseau de blé, donc les quantités et les mesures, les poids et les mesures étaient différents d'un bourg à l'autre, d'une province à l'autre. Donc si on prend un exemple, un boisseau de blé acheté à Beaumont-Lomagne sera différent qu'un boisseau de blé acheté à Montauban. Donc il fallait justement pallier. De même, on n'a pas de monnaie unique. Donc c'est pas comme aujourd'hui avec les euros. On avait une multitude de pièces, de monnaies, et il fallait justement faire avec le cours de ces monnaies. Galilée, savant italien du XVIIe siècle, juste avant Fermat, alors qu'il était encore jeune, écrivait « La nature est écrite de manière mathématique ». Alors à nous maintenant d'aller voir comment ça se traduit dans l'architecture. Beaumont-de-Lomagne est une bastide, une ville neuve construite au XIIIe siècle. Avant la construction de la bastide, en l'an précis 1276, c'est l'abbaye de Grand-Selve qui avait ses territoires en sa possession. On retrouve d'ailleurs la mention d'une église et d'un petit monastère. Il y avait certainement un bourg, mais quand on va décider de construire une bastide, donc l'abbé de Grand-Selve va conclure un contrat de pariage, un contrat de vente, tout simplement avec Philippe IV le Hardi, qui est représenté par son sénéchal de Toulouse, Eustache de Beaumarchais. Comme vous le voyez à Beaumont-de-Lomagne, toutes les rues se coupent à angle droit. Ce qui veut dire que dans les angles, et comme on transportait les marchandises en charrette, parfois les essieux des roues peuvent emporter une partie de l'angle en tournant. Donc ici à Beaumont, on retrouve deux manières d'éviter ce dommage, c'est-à-dire dans l'angle de la maison, soit on va tronquer, justement pour éviter d'avoir un angle, ou bien on va y placer une borne d'angle
qui va servir justement à amortir, on va dire, les chocs. D'autre part, quand on regarde ce plan de ville, on s'aperçoit que les boulevards actuels correspondent aux anciens remparts qui ceinturaient la ville, puisque bien sûr une bastide est toujours fortifiée, donc avec des murailles, des tours de guet et des portes fortifiées qui étaient au nombre de 4 ici même à Beaumont-de-Lomagne. Voici la halle de Beaumont, où dès le Moyen-Âge, dès la construction de la bastide, on va ici y tenir une place de marché. Ces marchés du samedi matin sont mentionnés donc dès le Moyen-Âge, hein, c'est mentionné dans les chartes de coutume. On est fiers aujourd'hui d'avoir toujours ce marché le samedi matin. Regardez quand même la structure. On peut voir ici ces 38 piliers qui soutiennent donc cette charpente très imposante. Et comme vous pouvez le voir, elles ont des tailles différentes, hein, ces piliers. Et on retrouve des socles polygonaux qui soutiennent donc ces poutres. Alors on palie d'une part à la taille de la poutre, mais d'autre part à la pente naturelle, comme vous voyez, hein, sur la place ici même. On trouve des mentions dans les archives concernant la toiture qui a eu énormément de réparations au fur et à mesure. Imaginez quand même la grandeur, on est obligé régulièrement de la réparer. Un clocher se trouvait ici même, on peut l'appeler un beffroi. Malheureusement, au fur et à mesure des siècles, comme les réparations coûtent très cher, on va diminuer la taille de ce beffroi. Aujourd'hui, on a uniquement un petit clocheton. La charpente est en poutre de chêne et de châtaignier. Mais regardez maintenant le sol. Et ces galets vont d'ailleurs nous intéresser, hein, puisqu'on a reproduit il y a quelques années le sol à l'identique par rapport au Moyen-Âge. On a ici donc des galets qui ont 3 couleurs différentes. Hein. On va retrouver du brun, du gris et du roux. On aura ce mortier à la chaux pour jointer justement ces galets. Alors on pourrait faire, j'allais dire, quelques calculs en sachant que les galets mesurent entre 8 et 12 cm. Si on prend la taille et la surface, hein, 1350 m², bon, je vous épargne tout ça, 370 000 galets ont été nécessaires pour refaire ce sol et on a eu des travaux qui ont duré quasiment un an. La géométrie se traduit aussi dans l'architecture de cette église. Alors cette église, Notre-Dame de l'Assomption, elle a été construite dès le début de la construction de la bastide, donc dès la fin du XIIIe siècle. Cela dit, il faudra attendre plus de 250 ans pour voir l'entière réalisation terminée. Parallèlement, on va aussi construire la tour du clocher qui est octogonale. Alors là, en termes de géométrie et de mathématiques, on a cette forme octogonale à 8 côtés et qui se divise en plusieurs étages. Hein, donc on va les voir justement tout à l'heure. Cette église, elle a été construite comme une forteresse refuge. Et dans sa structure, elle est très massive, on peut même voir des restes de mâchicoulis. Hein, donc également des traces de créneaux qui montrent bien que ça permettait de se réfugier au cas où. Et ça tombe bien puisque pendant les guerres de religion, eh bien, l'évêque de Montauban s'est réfugié ici et cette église a été cathédrale pendant 2 ans. Voyons maintenant ce clocher de type toulousain, qui culmine à 51 mètres de haut, hein, ce qui n'est quand même pas rien, il domine toute la ville. Donc ce clocher est en briques, hein, matériau local, et d'ailleurs on peut faire des comparatifs hein, avec les clochers de La Razée, de Saint-Cernin de Toulouse, mais aussi de Grenade, et d'autres d'ailleurs, hein, comme Cassel-Sarrazin. Donc la forme octogonale nous rappelle bien entendu cette géométrie hein, que Pierre de Fermat voyait partout dans la ville. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'à l'époque où il a vécu ici, hein, tout début du XVIIe siècle, eh bien on est juste après les guerres de religion et la petite flèche qui termine le clocher eh bien, avait été détruite. Alors on peut imaginer que Pierre de Fermat a entendu ses parents ou ses grands-parents hein, expliquer ces désastres hein, qui sont survenus à cette époque-là. On est maintenant dans la maison natale de Pierre Fermat et je suis en compagnie de Véronique et Sabine, justement, de Fermat Sciences. Alors moi, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, vous êtes en associatif, en association depuis 1996. Donc, alors... Fermat Sciences, c'est une association qui a été créée en 1996 à la suite de l'effervescence suscitée par la démonstration du dernier grand théorème de Fermat, donc de Pierre Fermat, le mathématicien. Cette démonstration, cette conjecture a été démontrée par un Anglais, Andrew Wiles.
Et suite à ça, Monsieur Weiss est venu à Beaumont-de-Lomagne et certaines personnes du milieu universitaire et du territoire ont décidé de créer une association pour promouvoir la mémoire de Pierre Fermat et de promouvoir les mathématiques. Donc grâce à cet Anglais qui a résolu finalement cette conjecture, ça veut dire que pendant 350 ans, on est resté... Pendant 350 ans, de nombreux mathématiciens et mathématiciennes ont travaillé de manière acharnée pour démontrer cette conjecture. Et donc, il a fallu attendre 1995 pour que ce soit fait. Très bien. Alors justement, je sais que vous faites de l'accueil de public. On a vu des scolaires tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que vous proposez justement aux jeunes pour les attirer et rendre les maths un peu plus attractifs, on va dire? Alors, les scolaires dans leur établissement apprennent des notions mathématiques. Et donc, nous prenons ces notions et nous les rendons ludiques. Nous les rendons accessibles par le jeu et par la manipulation. Fermat Science donne une autre idée des mathématiques, c'est notre slogan. Et dans la maison de Fermat, nous avons des salles d'exposition comme ici, Experimat, donc expérimenter les mathématiques. Et là, c'est notamment sur la géométrie. Et ensuite, nous rythmons notre année scolaire sur un thème général et des manifestations particulières. Donc la fête de la science, Récréamat, qui est une période récréative. Mais cette année, nous l'avons fait en partenariat avec le lycée professionnel des bâtiments où ils ont montré les mathématiques dans les métiers du bâtiment. Voilà, donc chaque élève spécifique d'un métier a démontré aux collégiens comment les mathématiques étaient dans la menuiserie, dans les plomberies, etc. Ensuite, nous avons une manifestation qui est maintenant, qui est Femmes et Sciences, où là, nous mettons en lumière le visage des femmes scientifiques dans les mathématiques ou dans les sciences en général. Donc là, cette année, c'est surtout sur l'optimisation des trajets qui est un métier à part entière. Et nous parlons de 4 mathématiciennes contemporaines. Et ensuite, en avril, nous aurons une autre manifestation qui s'appelle Matermat. Et là, c'est pour les petits. C'est les cycles 1 et cycle 2, donc de la maternelle jusqu'au CE2. Voilà. Alors j'allais dire, c'était justement l'une de mes questions, je vois que vous avez quand même des manifestations qui sont très très variées les unes par rapport aux autres, et qu'est-ce que vous pouvez ensuite proposer aux tout-petits? Quels sont le genre d'activités qui sont proposées? Alors là c'est au niveau de la géométrie et des métiers, encore pour les petits cette année, donc ce sont les bâtisseurs, et donc là à partir de formes géantes que vous pouvez voir, ou des jeux de construction, en fait, ils apprennent à bâtir les mathématiques, voilà. Très bien. Donc, il y a beaucoup de manipulations. Complètement. Il n'y a que ça, d'ailleurs. Et après, il y a aussi des manifestations tout public. Par exemple, pendant la fête de la science, et il y a la fête des mathématiques, la fête de Fermat. Alors, on reçoit des scolaires pendant la fête de la science, mais il y a aussi le samedi et le dimanche, le premier week-end d'octobre, qui sont dédiés au grand public. Très bien, c'est vrai que c'est assez varié, très large. J'ai pu moi-même voir et manipuler quelques objets. Et c'est vrai que même si on n'aime pas les maths, on y trouve quand même du plaisir à manipuler et résoudre quelques énigmes. Avant de nous quitter, encore une petite pépite ici à Beaumont-de-Lomagne, avec cet hôtel particulier qui a été réaménagé au 19e siècle. Là encore, on peut voir le côté géométrique. C'est tout à fait intéressant puisque cette Maison des Lumières, qui est aujourd'hui transformée en hôtel, a rassemblé plusieurs parcelles du Moyen-Âge pour avoir aujourd'hui un ensemble beaucoup plus grand. C'est également l'évolution de toutes les Bastilles d'aujourd'hui. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis. Et moi, je vous dis à un prochain reportage Ville d'Histoire sur D+. À très bientôt.